Bonjour, chef Christophe. Je suis en délégation de Marraine avec le secret de la parmesane. Ouh, que c'est bon ça. Donc nous avons fait cuire les aubergines pelées et coupées en petits morceaux jusqu'à ce qu'elles soient fondantes, qu'on puisse les écraser avec la spatule. Nous avons fait cuire les oignons avec trois boîtes de tomates en pulpe. Sentez-moi ça. Et ça cuit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau. Donc là, ça va être bien. Une fois que ces deux choses sont prêtes, nous mettons quelques cuillères de tomates dans les aubergines. Allez, trois à peu près. Vous avez versé à côté, chef Coco. Pas grave. On met un petit peu de parmesan. Et on touille tout ça bien. Donc les seigneurs, vous avez ici un trésor de famille, les aubergines en parmesan. On verse ça dans le plat. Ça sent déjà très bon. Oui, ça sent bon. Donc première couche. On étale bien pour faire la première couche. Puis on met une généreuse couche de parmesan. Là, il y a 200 g de parmesan. Je vais en mettre, je pense, à peu près la moitié. Il faut que ce soit bien couvert, mais il ne faut pas non plus qu'il y en ait de trop. Et après, ça fait une plaque dans la parmesan, c'est pas bon. Point trop dans le four. Point trop dans le four. Il en faut quand même parce que, vu le nom, si ça n'a pas le goût de parmesan, c'est dommage. Ah oui. Voilà. J'ai salé et poivré la tomate et les aubergines. Et après, on recouvre tout ça avec de la sauce aux tomates. Me gusta mucho la parmigiana. Il faut que ce soit entièrement recouvert. On ne voit plus rien de ce qu'il y a en dessous. Est-ce que tu penses que j'en mets plus? Oui. Oui. Bon, je mets tout. Tiens, pendant qu'on filme, il y a Sœur Sophie qui vient de publier quelque chose. On ira voir après ce que c'est. Elle ne peut pas avoir déjà vu la parmesan. Non. Mais je lui en ai fait une, là-bas. C'est pas en direct, là. C'est en différé, léger différé. Voilà. Maintenant, le plat est prêt. Et on enfourne. Sans recouvrir le parmesan. Sans recouvrir le parmesan. À mi-hauteur. Et là, à 200 degrés. 200 degrés, combien? Une demi-heure? Une demi-heure. Parfait. Et ce sera prêt. On peut manger chaud, tiède ou froid. Merci, chef Coco. Il ne reste plus qu'à faire la vaisselle. Et oui. Alors. Je mets un peu de, comme Coco le dit un peu plus haut, un peu de tomate dans les aubergines. J'ai salé et poivré avant, bien sûr. Hein. Les seigneurs, vous avez ici un trésor de famille, les aubergines en parmesan. Non, il faut voir, faire voir ce qui se passe là. Voilà. J'ai mis un peu de tomate. Comme l'a dit Maître Coco, je vais mettre un peu de parmesan. Un petit peu, hein, juste un petit poil. Je mélange. Voilà. Et maintenant, je vais mettre ça. Je vais verser ce. Une généreuse couche de parmesan. Là, il y a 200 grammes de parmesan. Moi, il y a 300 grammes. Et moi, j'aime le parmesan. Voilà, donc je verse ça dans le plat.
Eh oui, une parmesane sans parmesan, ça ne doit pas être pareil. Hein. Voilà, j'étale bien. Je fais une couche d'aubergine. Me gusta mucho la parmigiana. Eh oui, me gusta mucho. Voilà. Je vais couvrir, comme le dit Coco, de parmesan. Il faut bien que ça couvre tout. Voilà. Faut pas mettre trop parce qu'après ça fait une croûte, il a dit Coco. Hein. Mais moi j'en ai mis beaucoup. Voilà. Et donc, dernière opération qui consistera à verser. Voilà. À verser le coulis de tomates, mais je trouve qu'il n'est encore pas assez réduit, donc je le ferai plus tard. Voilà, à pouche !